Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Commémoration de la crucifixion et mort de Jésus-Christ, des fidèles catholiques de Loum dans le Mungo implorent le Tout-Puissant pour un retour à la paix dans les régions en crise. Problématique des coupures intempestives de l'énergie électrique au Cameroun, le ministre de l'Eau et de l'Énergie met Eneyo et Sonatrel devant leurs responsabilités. Gaston et Lundo et Somba sont les deux entreprises à mettre sur pied un système de transport et distribution efficace pour pallier à ce déficit énergétique. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Ce vendredi, ou ce jour est vendredi saint, et les fidèles catholiques commémorent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ avant sa résurrection. À Loum, dans le département du Mungo, les chrétiens catholiques ont élevé des prières pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Je vous invite à écouter quelques fidèles catholiques au micro de Jacqueline Omolon. Le chrétien catholique marque le sacrifice que le Christ a fait pour nous. Donc ça signifie que quand on fait ce chemin de croix, on marche sur les pas de Jésus, sur ses pas de souffrance. Et sachant que nous sommes faibles et que nous sommes incapables de marcher comme lui, nous lui demandons de nous aider, de pouvoir pleurer pour nos mal, pour tout ce que nous faisons de mal. Regardons par exemple ce moment où la pandémie nous surprend. Nous avons des limites. Alors, au courant de ce chemin de croix, de ce chemin de prière, nous demandons au Seigneur de guérir l'humanité de cette pandémie et de répandre la paix au Cameroun. Ce vendredi saint symbolise pour nous la passion du Christ. La passion du Christ vient nous aider à nous relever. Nous qui étions déjà dans les tombeaux, ça vient nous sortir de nos tombes et ça nous remet à la vie. Lutte contre le trafic des produits pétroliers, plus de 14 litres de carburant saisis. Il serait issu d'un intense trafic transfrontalier qui fait perdre à l'économie plusieurs milliards de francs CFA et représentant surtout un danger dans la manipulation inappropriée. Donald Brice Kamgan. Des bidons et bonbons étalés ça et là. Nous sommes dans l'enceinte de la société camerounaise des dépôts pétroliers à Douala. Ces hommes déchargent du gasoil, du super et du pétrole lampant. Des produits issus des activités de vente illicites à travers la capitale économique et ses environs. Et les contrebandiers ou bien les fraudeurs prennent du super, achètent le pétrole pour mélanger et faire des chiffres. C'est pour ça que vous allez voir le pétrole qui est déjà décoloré. Pour mélanger au super. Un mélange à l'origine de la dégradation des moteurs des véhicules, mais le plus grave, ce sont les maladies de la peau, à l'exemple des cancers de peau, et surtout les risques de mort liés aux incendies lors de la manipulation inappropriée. Je crois que je ne dois pas vous rappeler la catastrophe du 27 janvier à la falaise de Sanchou. Vous savez, les produits pétroliers sont des produits très dangereux. L'activité dans ce secteur est encadrée, que ce soit le transport, le stockage, la distribution, il faut une autorisation, un agrément. Alors, lorsque les gens prennent les produits pétroliers, ils mettent dans les bidons, ils mettent dans les camions, ils circulent, ce n'est pas autorisé. C'est dans les camions citernes pour le transport. Les stockages, c'est dans les dépôts pétroliers comme nous y sommes. Les pertes économiques sont incommensurables pour les finances publiques, les contrebandiers ne payant pas d'impôts ou les payant largement au rabais. Pour le ministère de l'Eau et de l'Énergie qui a mis en place une brigade spécialisée sur le phénomène, ce commerce illégal doit cesser. La suite consiste tout simplement à procéder à l'analyse de ces produits. Et s'il s'avère qu'ils sont de bonne qualité, ces produits sont généralement vendus aux enchères et les fruits des ventes sont versés au trésor public. Et si les produits, il s'avère que ces produits sont de mauvaise qualité, c'est clair, il peut arriver qu'on détruit. Ou on peut vendre aux entreprises industrielles qui utilisent des chaudières pour... En fait, ils utilisent comme produit matière première ce genre de trucs dans les chaudières. Dans le détail, ce sont 14 300 litres de produits frélatés et de contrebande qui ont été saisis, soit 4 940 litres de gasoil, 9 170 litres de super et 190 litres de pétrole lampant.
La construction d'une route divise les populations et autorités administratives dans le département du Haut-Nyon. C'est dans la région de l'Est Cameroun. Longue de 102 km, cette route devrait désenclaver le village Ampel. Mais le délégué départemental de la forêt et des faunes a fait arrêter les travaux sous prétexte que sa traversée au cœur d'une unité forestière d'aménagement est en violation de la loi. Le chef de l'État a été saisi pour arbitrage. Benjamin Issam. Marche pacifique mais décisive des populations du village Ampel en direction de la sous-préfecture. Elles sont en colère et tiennent dans leurs mains une requête destinée au président Paul Biya et des messages. Ces populations s'opposent à l'arrêt des travaux de construction de la route régionale Ampel-Échou, longue de 105 km, par la délégation départementale des forêts et de la faune du Haut-Nyon. Nous sommes bloqués actuellement à cause des UFA dont on vous a parlé là. Mais si néanmoins la route là pouvait avoir lieu, on aurait un espace vital pour faire nos produits agricoles. Nous n'avons plus un moyen, un avantage pour nos champs, pour notre agriculture. Parce qu'il est vrai que nous avons besoin de la route, bien sûr. La route est cet avantage qui pourrait faire en sorte que nous menions une agriculture très évoluée en pelle. Cette route, espace vital des populations, traverse curieusement une unité forestière d'aménagement UFA classée appartenant à une société forestière basée à Mindourou. C'est vrai que c'est une route de l'espoir, une route historique qui date de la période coloniale, qui a été classée comme départementale 90 en 1985 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, puis reclassée comme régionale 0217 par le premier ministre chef du gouvernement. Maintenant que la route a été La réhabilitation de la route a été lancée. Cela a suscité beaucoup d'espoir auprès des populations. La difficulté, c'est que cette route traverse l'emprise d'une UFA. Le chantier est immédiatement arrêté par le délégué départemental des forêts et de la faune qui estime que sa hiérarchie n'est pas au courant de l'existence de cette route. La loi 94 est claire. Lorsqu'on veut ouvrir une route dans une forêt, quel que soit son statut, je crois qu'il faut au préalable l'autorisation du ministre des Forêts. Malheureusement, le ministre des Forêts n'avait même pas été au courant d'une telle histoire. Et il n'avait pas été au courant pourquoi? Parce que l'UFA était déjà classé. Lorsqu'on classe une UFA, mais les gens ont quand même 90 jours, il y a un avis au public. Et les différentes réunions de concertation sont présidées par qui ? Par le préfet. Une fois sur le terrain, le représentant du ministre Jules Dorin Dongo va constater les infractions. Je descends sur le terrain parce qu'il y a une infraction qui se passe dans une UFA. Autant les gens sont là pour défendre les intérêts de la création de l'autre, autant nous autres. Moi, délégué départemental, je suis là pour défendre les intérêts ou alors la sauvegarde de l'intégrité de cette UFA, conformément à la réglementation en vigueur. Résultat des courses, il se dégage de cette affaire une forte odeur de manque de coordination entre les différentes administrations. Je suggérerais que la poire soit peut-être coupée en deux, c'est-à-dire que les travaux de la route continuent, mais que les experts puissent faire des calculs pour voir la superficie impactée par l'emprise de la route et refaire les calculs de la RFA de manière à ne pas léser l'entreprise Palisco tout en permettant aux populations d'avoir accès à cette route qui, en dehors de son aspect économique, est aussi une route qui relie les peuples. Cafouillage autour de plusieurs hectares de terre dans le Vouri. Un individu a fait irruption dans le village Ngoma. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, voulant exproprier les populations.
Pourtant, d'après son titre foncier, le terrain Corlé se situe plutôt dans le 5e arrondissement. Gladys Sidier et Claude Kwa. Les villages l'ont besoin, Roma. Oui, les deux villages sont séparés par la rivière Papas. Par la rivière Papas, et comme vous le voyez bien, de l'autre côté, nous avons le village Longbessou, ici Ngoma, et les camions de Mangéné sont réquisitionnés pour porter la terre et rambler tout le cours d'eau pour annuler la rivière Papas qui se parle des villages. Alors nous nous opposons fermement à cette initiative. Pour les populations du village Ngoma, c'est là le nœud du problème concernant le litige foncier qui les oppose à une dame qui dit être propriétaire du terrain querelé. La dame qui a un titre foncier domicilié à Longbessou, comme l'indique, n'est-ce pas, le certificat de propriété. Alors, ils sont en train de travailler sous prétexte que le préfet du département du Voreux les a donné un message porté qui les autorise de lotir. Mais nous avons ce message porté qui dit effectivement, il demande au groupement de prêter main forte à la dame pour lotir ce terrain au lieu de Longbessou et non Ngoma. Alors que les travaux de terrassement ont débuté, les populations se sont mobilisées pour contester cette action qu'elles jugent illégale, brandissant des documents en leur possession. Son titre foncier, comme nous avons l'identité de ce terrain, vous le voyez bien, son titre foncier est au lieu dit Longbessou. Vous voyez, ça c'est l'attestation de reconnaissance des droits coutumiers signée par le chef traditionnel du village Ngoma, là où nous sommes. Ça c'est un constat d'agriculture que nous avons fait ici dans le village Ngoma par un délégué d'arrondissement, donc par une autorité compétente. Il a évalué les mises en valeur. Ça le prouve que le terrain a été mis en valeur il y a de cela plus de 50 ans. Et ce sont eux qui ont amené ce document. Si ces populations disent être déterminées à poursuivre leur mouvement de contestation, la partie adverse, de son côté, tout aussi déterminée, soutient qu'elle détient tous les documents légaux. C'est donc une affaire qui est loin d'être terminée. Et ce sont eux. Le CES et l'école publique Débondi, sans enseignants depuis de longs mois, en congé forcé, de hautes herbes ont envahi ces deux établissements scolaires dans le département de l'Océan. Las d'attendre à la maison un éventuel retour de leurs enseignants, ces enfants sont désormais obligés de parcourir à pied plus d'une dizaine de kilomètres pour rallier les établissements des localités voisines. Joseph Abena Abena. Le village est bondi dans le département de l'Océan, croupit dans la misère. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de réseau téléphonique. La petite école primaire et le CES, qui représentaient l'action des pouvoirs publics, ont été fermés, faute d'enseignants. Ah, c'est abandonné par manque d'enseignants juste. Il y a des entrées de cette année, prenons le cas de cette année, si nous avons eu des enfants jusqu'au mois de décembre, qui traînaient dans le village parce que nous n'avons pas des enseignants, tout simplement. En 2004, quand nous avons eu l'arrêté, l'ouverture en septembre 2004, nous avons connu un enseignant qui était là, il a fait 5 ans. Après son départ, nous n'avons plus jamais connu un enseignant. Nous avons suivi qu'il a eu des affectations. Après, il y a une dame qui secondait là, elle est venue là, elle a travaillé, elle a été affectée. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais eu un enseignant. Pour la conquête du savoir, les enfants les plus vigoureux effectuent 12 km pour aller à Lokbatindi ou dans l'Oignon avec les voisins quand on n'a pas un proche parent en ville. Au pire des cas, on grandit tout simplement au village sans la moindre notion de l'école. Le chef de ce village, 115 ans, sonné, implore la grâce des pouvoirs publics pour ne pas quitter ses terres en laissant ses populations sombrer dans cette misère. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas la lumière. Je me présente, c'est les gens qui commentent l'école. On ne me dit rien. Je veux que, avant que je meure, je dois laisser les souvenirs. Que mes petits-fils et mes arrière-petits-fils connaissent qu'on avait un grand-père ici. Je vis donc avant que je meure. Créée en 2004, cette petite école primaire, jusqu'en 2019, n'avait pour seul enseignant que son directeur. Alors que le CES, créé en 2015, n'avait que deux enseignants.
un directeur et un surveillant. Dans le chapitre santé de ce journal, les enfants autistes, de plus en plus nombreux au Cameroun. Ils sont près de 3000 qui naissent chaque année selon le ministère de la Santé publique. Ce handicap reste très mal connu au sein des familles du fait d'une certaine stigmatisation. Depuis quelques années, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers le pays pour mieux édifier les parents à accepter la situation de leurs enfants et mieux se préparer à les suivre. C'était encore le cas en cette journée du 2 avril consacrée à la sensibilisation à l'autisme que mènent chaque année les associations. Je vous invite à suivre tour à tour Patricia Nkepuing, elle est parent d'enfants autistes, et Ndianfang Chatri, psychologue éducateur. Bon, les difficultés au quotidien, c'est d'abord que lui, il est autiste qui ne parle pas. Donc déjà sur le plan interne avec lui, j'ai un peu des difficultés à communiquer avec lui. Bon, à l'extérieur, quand on sort, les gens nous regardent souvent un peu bizarrement et tout, bon, c'est un peu ça. Et puis là, les gens ont tendance à le stigmatiser, donc à le mettre un peu à l'écart de la société, quoi. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental à la base. Et qui se caractérise ou bien qui se manifeste par un certain nombre de déficits chez l'enfant. Des déficits langagiers, des déficits comportementaux et aussi des déficits liés aux interactions et à des réciprocités émotionnelles avec les autres. La meilleure formule, c'est de suivre un certain parcours clinique. Et suivre ce parcours clinique, ce n'est pas toujours évident parce que il faudrait commencer par des neuropédiatres d'abord. Le neuropédiatre, lui, il va référer le parent chez un psychologue qui est spécialisé dans le domaine, dans l'autisme. Le psychologue, lui, va faire une évaluation diagnostique et au terme de l'évaluation diagnostique, il va proposer une piste en charge, soit orientée dans un centre spécialisé, soit orientée dans une école ordinaire. Ça va dépendre des résultats de l'évaluation. Voilà en fait comment est-ce que le parent doit normalement cheminer. Coupure intempestive d'énergie électrique dans certaines villes du Cameroun, le gouvernement prescrit des actions urgentes pour pallier à ce déficit énergétique. Face à la presse à Yaoundé, le ministre de l'Eau et de Gaston Ilundu Esomba, Somme Eneo et Sonatrel a renforcé leur système de transport et de distribution. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Aïk Cyril. Ce sont des mesures d'urgence prescrites par le gouvernement à chacun des opérateurs du secteur de l'électricité pour mettre fin aux coupures intempestives de l'énergie électrique enregistrées ces derniers jours dans certaines villes du Cameroun. Eneo notamment est appelé à améliorer son système de distribution de l'énergie électrique. Il a été demandé de renforcer ses équipes d'intervention lors d'incidents et de réduire les délais d'intervention, bref, d'augmenter sa réactivité. D'accélérer le processus de remplacement des poteaux bois par les poteaux en béton. De nettoyer systématiquement au bulldozer les emprises des lignes envahies par la végétation. De renforcer l'offre de production de 20 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté Nord avant le 12 avril et éviter tout rationnement pendant la période du mois de Ramadan entre 18h et 22h. Si Eneo doit également prendre en charge l'exploitation et la maintenance des centrales thermiques construites par les mairies pour réduire leurs charges liées à l'achat du combustible. La Sonatrel, pour sa part, est appelée à renforcer le système de transport de l'électricité. La Sonatrel a été instruite de finaliser sans délai l'abattage de tous les arbres hors corridor qui pourraient, dans leur chute, endommager les lignes de transport d'électricité. Pour cela, elle devra être assistée par les autorités administratives pour négocier avec les populations riveraines et tant entendu que ces travaux se déroulent dans une zone qui n'est pas dans la DUP. Il est également demandé à la Sonatrel d'accélérer les travaux de nettoyage des corridors des lignes de transport. Il s'agit des lignes de transport d'énergie haute tension.
d'accroître les capacités de transformation des postes de nos deux principaux postes d'interconnexion, à savoir Bekoko et Oyomaban. Tout en annonçant qu'il conduira personnellement une mission d'inspection des travaux de l'eau et de l'énergie, affirme que ces actions circonscrites au périmètre transport et distribution sont d'application immédiate. Pour un futur proche, le gouvernement mène diverses actions également, selon le ministre de l'eau et de l'énergie. Des actions de court et moyen terme sont également en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du démarrage, cette année toujours, des travaux des lignes de distribution en souterrain pour améliorer la qualité de service dans les villes de Yaoundé et Douala. Le projet de construction d'une ligne 400 000 volts entre Natchigal et Bafoussam, dont le but est de sécuriser l'alimentation des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le bailleur de fonds de ce projet a saisi le gouvernement au mois de mars pour marquer son accord pour le financement du dit projet. Le démarrage de ce projet est prévu pour 2022. La situation actuelle, caractérisée par de multiples interruptions de l'énergie électrique, commande des actions urgentes. Si le gouvernement semble enfin prendre le taureau par les cornes, il reste que les autres acteurs doivent effectivement jouer leur rôle. Enéo, pour l'instant, est seul à encaisser des coups. Parlons politique à présent. À mener le régime RDPC sur un nouveau débat politique, c'est le défi que se lance le Front uni de l'opposition avec pour principal enjeu la réforme du système électoral. Joël Essengueï, Aïk Cyril. En ouvrant le front sur le code électoral avec une coalition, l'opposition camerounaise se donne de nouveaux arguments sur l'échiquier politique national. Partagé entre l'envie de réprimer cette initiative et l'option finale de la laisser prospérer, le gouvernement, à défaut de faire route avec l'opposition, consent à la laisser s'exprimer sur la matière électorale au Cameroun. Avec cette brèche, l'opposition indique dans le communiqué final qu'elle a rendu public à l'issue de sa rencontre à Yaoundé qu'elle a décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain inclusif avec toutes les parties prenantes au jeu démocratique afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité du Cameroun. De fait, depuis 1992, date du retour des élections multipartistes au Cameroun, l'opposition a toujours milité pour une élection présidentielle à deux tours, l'instauration d'un bulletin unique et la mise sur pied d'une commission électorale indépendante. Il va désormais rester à jauger la marge de manœuvre dont elle va disposer pour se faire entendre sur cette question. Déjà répondant à l'appel de l'opposition aux autres forces politiques à lui soumettre leur contribution, le secrétariat national à la communication du RDPC a répondu par un communiqué dans lequel il circonscrit le débat sur le code électoral au seul pouvoir du Parlement. Ce qui en dit long sur la nature des échanges auxquels on aura droit sur cette question entre le gouvernement et l'opposition dans les prochains jours. Vous venez plutôt de suivre un reportage de Guy Zogo. Les populations de Maroua à l'extrême nord Cameroun peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Des travaux d'assainissement des drains sont en cours dans cette ville régulièrement en proie aux inondations. L'objectif est de soulager ces populations qui vivent habituellement un calvaire pendant la saison des pluies. Amadou Daïrou et Xavier Foka. Les habitants de la région de l'extrême nord en général et ceux du département du Diamaré en particulier gardent encore en mémoire, comme si c'était hier, les affres des inondations dont ils sont habituellement victimes en saison des pluies. Des inondations qui entraînent toujours d'énormes dégâts aussi bien humains que matériels. Avant, les eaux trouvaient la rigole bouchée et s'éparpillaient dans le quartier. Il y avait donc des inondations dans le quartier, les gens étaient sinistrés, les gens donc quitter chez eux pour aller dormir sur la route parce qu'il y avait de l'eau dans la maison. C'est fort de ce constat et dans le souci d'éviter que les populations revivent ce cauchemar dès le retour des pluies, que la mairie de la ville de Maroua a engagé des travaux d'élargissement des drains dans plusieurs quartiers. Aux côtés du maire de la ville, Sani Babani, le préfet du département du Diamari, Jean-Marc Eko Ambarga,
a tenu à superviser le démarrage des dix travaux. Vous savez que la ville de Maroua est souvent sujette à des inondations pendant la période des pluies. Il était donc temps que la mairie de la ville prenne des dispositions pour assainir ces drains que vous voyez tous devant vous, afin que à la prochaine saison des pluies, les populations puissent dormir avec sérénité dans leurs habitations, parce que nous connaissons les problèmes que la ville de Maroua éprouve souvent pendant la période des pluies. Tout en appréciant les travaux qui s'effectuent progressivement, le préfet demande à la mairie de ne pas faire l'ouvrage et appelle la population à faire preuve de responsabilité. Je voudrais tout simplement encourager M. le maire pour que d'autres dispositions plus importantes soient prises pour qu'on construise le drain en bonne et due forme. Parce que la terre peut continuer à s'effondrer et venir encore remplir d'alluvions tout le travail qui a déjà été abattu. Donc je voudrais tout simplement appeler également les populations à beaucoup plus de civisme, que le drain n'est pas un dépotoir d'ordures ménagères. À quelques semaines du retour des pluies dans la région de l'extrême nord, les populations apprécient déjà la qualité des travaux en cours et espèrent que les fruits tiendront la promesse des fleurs. À l'étranger, le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, investi en pleine crise sécuritaire. Il a prêté serment ce vendredi devant ses pairs, deux jours après une tentative de coup d'État. Le passage de relais entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État à répétition. Âgé de 61 ans, Mohamed Bazoum a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% de voix face à un ancien président, Mahamane Ousmane, qui conteste les résultats de cette élection. Dans son discours d'investiture, Mohamed Bazoum s'engage à lutter contre la corruption sur toutes ses formes. Je vous propose de l'écouter. J'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes, pots de vin, vulgaire, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance qui nous lie au peuple. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie parce que j'en ai toujours espéré deux choses, la liberté et la justice. Le président du Niger. Parlons sport à présent. Coupe d'Afrique des Nations Handball Dames. La fiche d'ouverture est connue. Le Cameroun affronte le Kenya le 10 juin prochain. Logé dans le groupe B au terme du tirage au sort effectué à Yaoundé, les pouliches de Serge Christian Gebogo ambitionnent de remporter la 24e édition de cette compétition. Joël Essengueï à Cyril. Cameroun-Kenya, c'est l'affiche d'ouverture de la CAN de Handball Dames du 10 au 21 juin prochain au Cameroun. Le tirage au sort est effectué et comme l'exige le règlement de la compétition, le pays hôte choisit lui-même son groupe
et son adversaire pour le match d'ouverture. C'est une compétition qui est longue et il faut ménager nos efforts. Nous avons souvent des difficultés à rentrer dans des compétitions. C'est pour cela que nous avons pu choisir un adversaire que nous pouvons facilement jouer, qui peut nous permettre d'avoir des repères pour la suite. Les calculs sont faits. D'entrée de jeu, il fallait éviter l'Angola. 13 fois champion d'Afrique, le super favori de la compétition fait un règne pratiquement sans partage sur le handball continental. Effectivement, il fallait éviter Angola d'entrée de jeu parce qu'on tombe dans la poule de l'Angola, on n'est pas sûr de passer les demi-finales. Donc on a choisi la poule qui, pour nous, pouvait nous permettre d'arriver en tête. 12 pays sont sur la ligne de départ. Ils sont répartis en 3 groupes de 4 chacun. L'objectif pour le Cameroun est clair, se hisser sur la plus haute marche du podium et se qualifier pour la Coupe du Monde en Espagne. Nous avons toutes les chances comme tout le monde. Nous, notre objectif, c'est d'abord participer et se qualifier pour le championnat du monde. Et l'autre objectif, c'est la plus haute marche du podium. Le groupe A est composé du Sénégal, de la Tunisie, de la Guinée et de Madagascar. Dans le groupe B, on retrouve la RD Congo, le Cameroun, le Nigeria et le Kenya. Le groupe C, enfin, est composé de l'Angola, du Congo, de l'Algérie et du Cap-Vert. Les 4 demi-finalistes de la 24e édition de la CAN de Handball Dames représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde Espagne 2021. À l'issue du tirage au sort, la mascotte a également été dévoilée. Elle s'appelle Nyango, nom de jeune fille bien connue au Cameroun. Et pour être totalement complet sur cette actualité, il faut rappeler que le président de la Confédération africaine de handball a visité les infrastructures devant abriter ce tournoi. Élise Bogbaï, Aïk Cyril. En visite au Cameroun, les inspecteurs de la Confédération africaine de handball veulent s'assurer que le cahier des charges lié à l'organisation de la CAN de handball dames est bien rempli. La mission passe au peigne fin les infrastructures présentées par le Cameroun. Après la visite, le comité d'organisation annonce des mesures strictes en vue du respect des gestes barrières au coronavirus. Par exemple, tous les acteurs prenant part à la compétition seront installés dans une bulle. C'est un concept qui a été développé par la Fédération internationale de handball qui a pour principal objectif de mettre les acteurs du handball ensemble et leur permettre de minimiser les contacts avec l'extérieur. L'objectif, précise l'organisation, est de limiter les contacts entre les acteurs et l'extérieur. Au niveau des hôtels, des transports interurbains ou intra-urbains, au niveau du palais des sports où va se tenir la compétition et enfin, au niveau des hôpitaux, il s'agira de veiller à ce que ceux qui sont dans la rue, qui sont normalement identifiés, n'aient pas de contact avec l'extérieur. Par exemple, si vous deviez être à l'hôtel, ceux qui doivent s'occuper de vous doivent être également dans la rue parce que nous ne devons pas aller à l'extérieur et ensuite venir être au service. Les mesures barrières édictées, la visite des infrastructures terminée, le tirage au sort effectué, il ne reste plus que le kick-off. La CAN de handball dames se dispute du 10 au 21 juin 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ce reportage d'Élise Bogba et Aïk Cyril met un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Duval Fangwa et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir Duval. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Gaston Elundu Esomba, était face à la presse pour expliquer les raisons pour lesquelles les populations font face depuis plusieurs jours à des coupures intempestives d'électricité. Il faut dire, Duval, que c'est une injonction du ministre de l'Eau et de l'Énergie
Pour Gaston Elundu et Somba, c'est l'incapacité de Sonatrel à transporter le courant ou l'énergie électrique produite et Eneo à distribuer qui serait la cause profonde des coupures intempestives de l'énergie dans certaines villes du Cameroun. Vous l'avez suivi, le ministre somme les deux entreprises de mettre immédiatement sur pied un système de transport et de distribution efficace pour pallier à ce déficit énergétique du Val. Voilà l'essentiel du débrief pour cette deuxième partie de Kinox ce soir. Merci pour cette autre édition du journal. Julien Berthe-Bissaï, bonne soirée madame. Très bonne soirée à vous Duval. Madame, messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie de Kinox ce soir, le débrief avec nos invités sur le plateau. Retour sur le plateau d'Equinox ce soir avec nos invités Cyril Sambaka de l'AFP, Maître Simon Sech Kakak de l'UPC et Martin Zan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir.